La panthère voyage dans une fusée, le flamant rose répare une horloge, le lion et le zèbre jouent à saute-mouton. Voici un texte que Nella a écrit avec plusieurs de ses camarades. Élève en CM1 à l'école Pasteur de Beach, elle a participé à un atelier d'écriture initié par le poète Patrick Dubeau en février dernier. En plus de cette classe, deux autres de l'école de Lemberg ont pris part à ce projet. Ils ont pu laisser libre cours à leur imagination, tant pour l'écriture de poèmes que pour les illustrations sur le thème du voyage. Ça représente un peu la galaxie, moi je pense. Ça représente un peu l'univers et tout ça. Moi j'aime bien. Pour les aider à réaliser leurs dessins, ils ont été guidés par Mizuo Fujizawa, illustratrice. Je félicite surtout les élèves qui ont pu participer pour votre belle réalisation et j'ai beaucoup apprécié à lire vos poèmes aussi. La technique utilisée pour ces affiches poétiques est particulière. En fait, c'est du papier, mais qui est très facile à déchirer. Mais il faut coller, mais c'est très compliqué à faire des formes et tout ça. Leur travail est visible à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. L'exposition nommée « À pas de loup » sera en place jusqu'au 3 juillet.